Voyons maintenant comment on va écrire les efficacités pour notre extracteur à contre-courant. Alors, on reprend les définitions classiques, vous avez maintenant l'habitude. Donc, on va avoir pour l'efficacité d'appauvrissement, X entrée qui n'est autre que le XA. Le X sortie, c'est le XN. Donc, XA à nouveau au dénominateur. Et puis, le X sortie étoile, ce serait donc un XN étoile. Et donc, en fait, c'est l'équilibre avec le courant qui se trouve au même niveau dans la colonne que XN. Donc, ça, c'est l'entrée qui correspond au solvant, donc un YA. Et donc, en fait, c'est à l'équilibre avec donc, le courant qui représente le solvant. Alors, si on peut définir la notion de coefficient de partage, eh bien à ce moment-là, le xn étoile, il est tout simplement égal à ya sur k. Et puis, vous remarquez que, c'est d'ailleurs assez souvent le cas, lorsque l'on a affaire à un solvant pur, à ce moment-là, le ya est nul. Et donc, dans ce cas, l'efficacité d'appauvrissement, elle va se limiter à xa moins xn sur xa. Et donc, en fait, on va avoir, dans le cas où on a un solvant pur, YA égale 0, eh bien, égalité entre l'efficacité d'appauvrissement et le rendement. Alors, maintenant, pour l'efficacité d'appauvrissement, toujours le même principe. Donc, le Y sorti, c'est le Y1, Y entrée, YA, également au dénominateur. Et puis, le Y étoile sorti, donc c'est celui qui est à l'équilibre avec la sortie. Donc, ça va être un Y1, étoile, donc qui est à l'équilibre avec l'entrée de la solution, donc avec en fait notre XA. Donc si on peut à nouveau définir la notion de coefficient de partage, et bien à ce moment-là, on a Y1 étoile qui est tout simplement égal à K fois XA. Alors, on a déjà eu l'occasion de définir ce qu'on appelle le rapport de partition, donc qui est égal au rapport des débits, et puis on divise encore par la constante d'équilibre grand K. Et donc, du coup, l'efficacité d'appauvrissement est en fait reliée à l'efficacité d'enrichissement par l'intermédiaire de ce petit R, le rapport de partition. Maintenant que nous avons vu les expressions des deux efficacités, nous allons voir les fameuses relations de Kremser.